Mais c'est fou, il se passe trop de choses. C'est légendaire. Le creeper. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable comment il a fait ça, les particules. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un petit peu trompeur. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on est sur Minecraft? Eh bien non, vous ne rêvez pas, on est bel et bien sur Planet Coaster. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes contents de me retrouver pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Moi les amis, je suis super content, super excité de vous retrouver de plus belle pour de nouvelles aventures sur Planet Coaster avec le retour des découvertes de parcs d'attractions. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin et jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le retour de ces vidéos. Et pour les plus pressés, regardez la description, mais je vous invite quand même à attendre la fin de la vidéo. Et regardez-moi ces magnifiques décors. Aujourd'hui, on est sur une map qui s'appelle Minecraft The Ride. Alors si vous n'êtes pas familier avec Minecraft, c'est pas grave, ça vous empêchera pas de vous régaler, bien au contraire, parce qu'en fait on se croirait juste tout simplement sur un autre jeu. On dirait vraiment des graphismes, les graphismes cubiques de Minecraft, hein, sauf qu'en fait ce sont des cubes, hein, pour le coup c'est vraiment des cubes, mais c'est vraiment super intéressant. Ça a été créé par Afrochip. Alors c'est pas une nouvelle map, hein, en fait cette map je l'ai trouvée, elle a été créée en 2018 pour un concours pour la chaîne Channel 5 Gaming, mais je suis tombé dessus vraiment par hasard parce que je voulais voilà, voir un petit peu les parts d'attraction qu'il y avait sur le jeu, et j'ai trouvé ça super original. Voilà, on a les vrais arbres ici de Planet Coaster, et puis là on a les arbres à la Minecraft, donc c'est super intéressant. C'est même pas un parc d'attraction, c'est vraiment un seul coaster qui a l'air gigantesque. J'ai hâte de voir. Nous, écoutez, on va directement rentrer par ici, dans cette forteresse, dans ce château fort cubique. Ça va être absolument incroyable avec Jean-Kevin juste ici, notre Steve, bien évidemment. L'entrée par là, boum boum boum. Et ok, donc en plus, c'est des wagons, les wagons qui tournent, enfin qui penchent le bar guest. Ok, très bien. On lance le test, on met la caméra. Est-ce qu'on met les résultats? Ok, alors apparemment c'est peut-être pas le layout le plus réaliste, donc on va pas regarder les résultats de test. C'est surtout de la contemplation visuelle, les amis. Bon visionnage. Et pour les amoureux de Minecraft comme moi, ça risque de faire quelque chose tout de même. Allez, on démarre sur une propulsion. La cascade d'eau, incroyable. Et on rentre dans une mine, un stronghold. Non, pas un stronghold, mince, comment on appelle ça? Un mineshaft, voilà, c'est ça. Alors pour ceux qui... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft en plus, donc c'est très particulier. On est sur un mineshaft, oh, avec les torches et avec le piège. Le piège, le fil, juste ici. Est-ce que ça va exploser peut-être? Non mais c'est sûr, 100% il... La redstone qui s'active. Non, c'est incroyable. Je me suis pas spoilé, je suis déjà pas déçu. Oh là là, système de piston, on va dire là, à gauche. Ça va peut-être pas forcément exploser, mais en tout cas, ça va ouvrir la porte. Minecraft The Ride. Et on se retrouve dans la forêt. Wouh ! Wouh ! Incroyable. Le plus beau des biomes Minecraft. On se retrouve dans une grotte. Ah, j'ai pas vu de minerai de fer, là. Hein. J'ai pas vu de minerai de fer avec les petits trous ici et là. Oh ! Du lapis lazuli. On a vu du lapis lazuli. Incroyable. Oh, c'est génial. Ça y est, j'ai envie de rejouer à Minecraft. Ah ouais, le petit... C'est même pas un 0G, ça. Eh. Oh là. Oh, ça, c'est flippant, ça, quand même. Hein. Ok. Et on repasse dans un mineshaft. Donc, pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, les mineshafts, c'est des mines sur Minecraft. Mais en fait, c'est des mines pour miner, vraiment, humainement. C'est-à-dire qu'il y a des structures en bois, etc. On a des petites scènes de zombies, excellent. Dans la nuit, ok, ouais, c'est genre la nuit et tout. Les zombies qui attaquent les joueurs. Et ça repart. Donc là, il fait nuit, il y a les monstres qui ont spawn, excellent. Il y a des creepers. Ah, ça explose, les creepers. Il y avait des squelettes aussi, des zombies. Ça nous tire des flèches dessus, une araignée. Waouh. Non, mais c'est fou, il se passe trop de choses. C'est légendaire. Le creeper. Oh, c'est magnifique. Et le lapis lazuli. Oh, le minerai orange, c'est quoi? C'est du fer? Une spider. Enderman à droite, à ne pas regarder, bien sûr. Un autre Enderman, je crois. Oui, tout à fait à gauche. Incroyable. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et en fait, c'est le même layout. Mais c'est pas le même layout. C'est pas le même layout, mais il fait comme si c'était le même circuit. Sauf que là, c'est de nuit. Mais c'est pas le même.
Ah, c'est excellent. Je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai compris un truc que vous avez certainement compris. Et on se retrouve dans le biome désert avec petit chat à l'ancienne, les oslo. C'était les oslo à l'époque. Les cactus. Oh, le temple à droite. On a pu apercevoir le temple du désert. On va peut-être pouvoir le revoir. Juste ici à gauche, regardez, incroyable. Oh là, ça régale. Ça régale de ouf. Une nouvelle petite vrille. Oh là 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 là. Et on retourne dans un mineshaft. À chaque fois, ça fait des transitions. Regardez-moi ce temple là-bas, c'est perturbant. C'est perturbant, on se croirait sur Minecraft quoi. Et les petits oslo aussi, ça me manque ça. Ça me manque. On va peut-être rentrer dans le temple hein. Ah oui, on va rentrer dans le temple en plus. C'est réel. C'est réel. Oh, c'est complètement dingue. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Hop, on rentre dans le temple. Oh. Mais non. Mais oui, c'est là-dedans que tu vas chercher les coffres quand tu descends en bas. Et là, on se retrouve dans une grotte. Ah, changement de... Oh, la feinte. Oh, la feinte. C'est géant, hein. Franchement, c'est géant. Et en soi, c'est pas tant déconnant que ça, le layout, hein. En vrai, il est fluide, hein. Enfin, je sais pas, hein, j'ai peut-être plus l'habitude, mais il me choque pas, hein. Franchement, ça me choque pas. Oh, le portail du Nether. Arrête. Non, c'est incroyable. On rentre dans le Nether, les gars. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le Nether, c'est le monde des ténèbres. Il y a de la lave partout. Oh oui, on voit la lave en plus du coup. Oh, non, c'est magnifique, c'est incroyable. Comment il a fait ça, les particules? Oh, oh là là, les pigman, les ghasts, les blaze. Non, c'est incroyable. Non, vraiment. Là, mon cœur d'enfant, il est aux anges. Regardez les blaze, ils envoient des flammes et tout. Donc là, on est dans la forteresse avec les escaliers pour monter la forteresse, bien sûr. Ça, c'est le Nether à l'ancienne, mais voilà, incroyable. Les pigmen, attention à pas les taper. Évidemment, ça se fight dans tous les sens. Wouh! Oh, c'est vraiment, mais... Que voulez-vous? Faire ça déjà sur Planet Coaster, c'est... Oh, wesh! La feinte! Oh non, c'est trop! C'est trop... Faire ça déjà sur Planet Coaster, c'est une prouesse incroyable. Mais en plus, c'est tellement bien réalisé. C'est impressionnant. Et là, on va ressortir. Et en plus, il y a des sensations quand même. Regardez, il y a des airtime et tout. Allez, là, on va sortir du Nether. On reprend le portail. On est dans le métaverse. Et on se retrouve. On se retrouve dans une forteresse de l'End encore. Du Nether, je veux dire. Eh bien, dans une forteresse du Nether, là. Où je dis des conneries. Où c'est un Stronghold. Mais oui, c'est le Stronghold, on vient de prendre le portail de l'End. On vient de prendre le portail de l'End et on se retrouve dans la dimension de l'End, là où il y a le l'Ender Dragon. Oh là là là, c'est incroyable. Il est où le dragon? Donc là, on a les tours. Oh. Oh. Le dragon. Il est là. Waouh. C'est incroyable. Tout est parfaitement bien fait. C'est juste magnifique. J'ai pas de mots. Hop, on peut regarder un petit peu. Waouh, avec les... Là, il se régène sur les tours. L'œuf de dragon juste ici. Oh, j'ai cru que ça allait planter. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur que ça plante. Oh, le dragon, il va cracher. Ouais. Oh là 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 là. Non mais là j'ai oublié qu'on est sur... Vous savez que j'ai vraiment oublié qu'on est sur Planet Coaster là. Là j'ai juste envie de me bagarrer avec le dragon là. Et là on lui tire dessus. Oh là 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 là. Et là on va rentrer de nouveau dans le portail je crois après là. Là on va l'affronter, on l'affronte encore, on lui tire dessus tout ça. Ok. Le scénario il est légendaire. Et là je pense qu'on va le battre et qu'on va rentrer du coup dans le portail. On va pouvoir retourner dans le monde normal.
maintenant. Allez, on se bandit. Oh là là. C'est fou. Wouah, Herobrine. Herobrine. Oh, c'est fou. Game over, score. Non, arrête, on n'est pas mort. Incroyable. Ça me rappelle mon ressource pack à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui m'ont suivi sur Minecraft. J'avais un ressource pack personnalisé avec des messages custom pour dire « T'es noob, t'es mort. » Oh là là, mais c'était fou. Mais c'était incroyable. Non, sans déconner. Eh, franchement, s'il vous plaît, vous en avez pensé quoi, les gars? Alors, que vous soyez, je veux dire, connaisseur de Minecraft ou non, mais dites-moi vos ressentis, quoi. Parce que franchement, c'est un truc de fou. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le scénario, les grottes, les dimensions, le jour, la nuit, les biomes. Parce que en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que voilà, on a ce premier biome juste ici, le premier biome dans la forêt avec un certain layout. Il fait jour, il n'y a pas de monstres. Et si j'ai bien compris, voilà, il y a ce même biome ici, c'est exactement le même biome et c'est, je crois, le même layout. C'est-à-dire, c'est les mêmes... j'ai capté ça, je crois, ici. C'est le même layout. C'est la même boucle ici. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un copier-coller pour faire comme si on était dans le même environnement. Hein, sauf qu'il fait nuit avec les monstres qui ont spawn. Donc là, évidemment, on voit le behind the scenes. On voit comment ça a été fait. Mais sinon, c'est censé nous faire genre dans notre tête que voilà, on est au même endroit. Sauf que maintenant, il y a les monstres qui ont spawn. Il fait nuit. Incroyable. Et puis le désert ici qui est absolument masterclass. Hein, franchement, je suis vraiment sur le cul, je suis sidéré de voir ça, les Oslo et tout, c'est incroyable, c'est trop mims. Ensuite, quand on rentre dedans, là, c'est plutôt chouette. Après, là, il y a un petit temps mort, et ce qui est impressionnant, c'est quand même le Nether. Alors, le Nether, c'est par où? C'est par ici, peut-être? Ouais, le Nether, c'est vraiment impressionnant. Les animations, les automations aussi, franchement, c'est vraiment impressionnant. La lave, elle a été faite comment? La lave, elle a été faite avec des panneaux modifiables, hein, visiblement. Je suis assez curieux de voir quand même comment ça a été fait. C'est des panneaux modifiables. Ah, tout simplement, c'est des panneaux... Putain, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Franchement, comme dit, quand t'es joueur Minecraft et que t'es joueur Planet Coaster, tu connais la difficulté de faire cette prouesse. Tu sais, voilà, ce que ça représente, ce que ça veut dire. C'est vraiment, vraiment fou. Et là, on rentre dans l'end. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Et là, on est dans l'end, dans la dim. Oh, c'est quand même... Oh, c'est fou. C'est complètement fou. Voilà. Je suis carrément sur le cul. Un grand bravo au créateur, franchement. Afroship, je pense qu'il a déjà eu énormément de compliments. Mais là, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Et là, on peut voir ses presets comme il les a fait, quoi. À part, parce que c'est quand même pas facile de construire... autant construire, voilà, à part sur le côté, pour pouvoir après les ajouter. Donc voilà, comme ça, on peut voir un petit peu comment ça a été fait. Et c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est vraiment lui qui a tout fait de A à Z ou est-ce qu'il a chopé ça sur un workshop? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est lui qui a fait. Mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Ça fait vraiment un très très beau retour pour les vidéos Planet Coaster. Et justement, j'y viens. Je pense qu'on va repartir sur des sessions découvertes, visites de vos parcs d'attractions. Donc tout simplement, je remets un nouveau formulaire en description. Je vous invite à aller le remplir. Encore une fois, vraiment, il faut que ce soit vous qui ayez créé le parc. Je trouve ça plus intéressant. Là, évidemment, je l'ai chopé de moi-même sur le workshop. Hein, c'est pas créé par un abonné. Mais les parcs que vous allez m'envoyer, je veux que ce soit vraiment vous qui les ayez créés. Donc voilà, je compte sur vous. Et encore une fois, soyez patients. Je ne pourrai pas forcément voir tous les parcs. Comme voilà, il y a un ou deux ans, quand j'ai fait les visites, j'ai pas pu voir tous les parcs. Évidemment, vous êtes très nombreux à me les envoyer. Et je n'ai pas le choix de sélectionner un petit peu ici et là. Mais en tout cas, voilà, merci pour votre compréhension. Et franchement, je me suis régalé. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis, c'était Mkolo et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Mais vous faites des vidéos de quoi? De jeux, de Minecraft. Ah oui, de Minecraft. À 17 ans, vous êtes assez intelligent pour faire des jeux de Minecraft. Tu vas te détendre déjà pour commencer.